Mesdames et messieurs, petits et grands, nous voilà dans Tohu pour la suite de nos aventures. On était à la recherche du fragment du totem du moteur sacré et on était dans une mystérieuse caverne avec une horloge qui nous permettait de voyager dans le temps. On va donc voir ce qu'on peut faire et où on en était. Donc on avait récupéré une cuillère et... Eh bien, on va voir ce qu'on peut faire avec notre cuillère, du coup. Il y a cette créature qui a besoin d'énergie. On avait fait l'énigme qui était de ce côté-là. Avec ces trois petits trucs, hein. Honnêtement, je sais pas ce que c'est. Et il me semble qu'on avait rien de plus à faire ici. Je vois rien de plus avec lequel interagir. À part ces petites créatures qu'on peut s'amuser à faire tomber. Donc, on va voir ce qu'on peut faire. Je vais aller dans ce sens-là. Ok, donc ici, on a une nouvelle créature. Avec une clé. Donc on va essayer d'obtenir cette clé, j'imagine. Semblerait que elle ne puisse pas interagir avec, pas directement en tout cas. Qu'est-ce que je peux faire? Bah oui, il me faut la clé. Je peux rien faire avec ma cuillère. Bah oui. Et on voit qu'elle nous, plus ou moins, a fait tomber des petites fleurs roses sur la tronche. Mais c'est pas ça qui va m'aider. Là, comme ça, je vois pas ce qui va nous aider. Par ici. Ok. Du coup, le fait d'avoir... je sais pas si vous vous souvenez... Dans l'épisode précédent, on avait réussi à casser le rocher qui était là, du coup dans le passé. Du coup, ça nous a débloqué ici. Donc, du coup, on a, des pirates. Ça ressemble à des pirates, en tout cas. On va voir ce qu'on peut en faire. Alors, ils nous disent d'entrer. Je peux pas équiper ma cuillère. Je peux pas équiper ma cuillère. Par les cornes de Bashan, nous devons mettre les voiles. Les membres de mon équipage ont abandonné le navire. Aide-moi à les réunir et je te récompenserai généreusement. Ok, on peut faire bouger les membres d'équipage. Je peux pas me battre avec ma cuillère, sérieusement. Ça me paraissait une bonne idée pourtant. Ouais, je peux le faire s'éloigner ou pas. Ok. Bon.
Et visiblement, ils ont chacun leurs soucis. Lui, il veut son oiseau. Ok. Des indices qui me parlent pas du tout. Hein. C'est pas lui qui voulait l'oiseau. Hein. Essayez, visiblement l'oiseau bouge. Quand on arrive sur lui, on devrait pouvoir le faire arriver au bon endroit. C'est marrant, du coup, il y a un petit bonbon là. Non, 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 c'est pas la peine. Ah, si tu peux! Tu peux interagir avec? Ok, on a récupéré des bonbons visiblement. Ok, du coup, lui a récupéré son oiseau. Ah, oui, bien évidemment. Il est tombé à l'eau parce que on n'a pas... Il était du mauvais côté. Bon, on recommence. Partir l'oiseau. On descend. C'est pareil, peut-être que là je pourrais interagir avec ces petites boules. Et on continue notre aventure dans ces petits téléporteurs. Long. Parfait, il est parti au bon endroit. Et il a sauté dedans. Ça c'est parfait. On en a fait un. On va essayer de comprendre. Alors celui-là... Qu'est-ce qu'il nous dit celui-là? Quoi, faut que je lui donne ça ma cuillère, peut-être. J'aurais cru que ma cuillère était pour se battre, mais visiblement j'ai pas réussi. Peut-être que si je lui donne la cuillère, non. Qu'est-ce qu'il peut bien vouloir? Et celui-là, je comprends pas. Celui-là, il veut se battre. On ramène le bateau. Ah, le truc, c'est que la seule chose pour me battre, c'est ma cuillère. Et que... Ah, ok, il fallait utiliser la cuillère sur lui. Ok. Et Doudou. Et on balance la cuillère avec.
Donc il nous reste ces deux-là. Lui, qui nous dit... Ok, il fallait lui faire peur, mais du coup... aussi que je fasse descendre ce bateau. Enfin, rapprocher ce bateau. Que je descende pour rapprocher le bateau. Hop. Et on est au bon endroit. Et on lui fait peur. Ok, il reste plus que celui-là. Je voudrais avoir un peu de mal à voir, savoir ce qu'il veut. Est-ce que je peux lui donner mon bonbon? Oh, punaise. Qu'est-ce que je peux faire? Ah, si je peux là. C'est très efficace. Visiblement, pas tout à fait. Alors, comment ça fonctionne cette chose? Ah, je peux le faire bouger aussi. Je sais pas si ça a un intérêt. On voit qu'il a une espèce de... d'ombre en parallèle. Peut-être juste que je réussisse à faire la même chose que l'ombre. Si c'est vraiment pas évident. On dirait bien que ça fonctionne. Ah, petit bug, j'ai dû cliquer dessus juste avant la fin du... de la cinématique. Et du coup, le pirate nous a laissé un petit trésor et il s'en va. Ok, donc nous j'imagine qu'il faut qu'on reprenne les téléporteurs. Il y a a priori plus rien à faire ici. Et on va peut-être du coup réussir à échanger la clé contre ça. Non mais tu bouges le truc. Hop. Parfait. On va donc pouvoir utiliser notre clé sur la porte. C'est ce qui semble en tout cas logique. Tout ça pour avoir du café? On a fait tout ça pour avoir du café? Mais encore? Je suis censé faire quoi, moi, avec mon café? Le mettre en offrande ici? Je suis pas sûr.
Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Elle veut pas aller dans ce sens-ci. Et elle veut pas aller dans ce sens-là. Donc, on n'a plus rien à faire, a priori, avec l'horloge. Ah, si. Dans ce sens-là. Ah, bah oui, tout simplement. On va pouvoir donner notre café pour qu'il soit plein d'énergie. Et voilà qui nous permet de ressortir de la caverne. Et décidément, on fait toujours peur au troisième gardien. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un espèce de mammouth géant. Moi, avoir très peur. Moi, avoir fait cauchemar avec grosse créature en colère. Lui, me terrifier. Lui, vouloir me mordre. Moi, vouloir faire dodo, mais moi, pas pouvoir me détendre. Ok. Il y a encore des petites choses à mettre dans notre... Ah! Si on arrive à cliquer dessus, ça brille ces choses-là. Et il y a des gens. Qui chantent des chansons. J'imagine qu'on va devoir en activer un ou plusieurs. Comment je peux savoir? Peut-être avec les symboles. Quoique non. Y'a rien qui ressemble. Y'a rien qui ressemble à ce genre de symbole. Quelque chose me dit qu'il y a à voir avec ces trois symboles-là. Alors si je clique sur celui-là, ça fait agir ce personnage-là. Pas l'impression que là ça fasse agir qui que ce soit, et là non plus, c'était peut-être une coïncidence du coup. Oui, ça devait être une coïncidence. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je peux grimper sur le dos de cette créature là, mais visiblement, vu qu'elle est terrifiée, on peut pas. Donc il va falloir résoudre d'abord cette énigme-ci. Sachant qu'ils ont tous les 5 des symboles différents, des couvre-chefs différents.
Ok, là comme ça, je vois pas forcément une combinaison. Ça va être. On va peut-être toutes les essayer, mais ça fait un peu beaucoup. Surtout qu'on sait pas combien il va nous en falloir. Et le fait qu'il y ait ça. Je t'ai pas fait taire, toi. Voilà, tais-toi. Je vois pas forcément ce que ça fait, ces choses-là. Surtout que c'est pas évident de cliquer dessus pendant que ça se balance au vent. On va essayer d'observer, hein, tout simplement. Est-ce qu'il y aurait des éléments qui pourraient nous donner l'impression que c'est l'un ou l'autre, ou plutôt autre chose. Ici, ce symbole-là me fait bien penser à... au symbole qu'il a l'air d'avoir sur son vêtement, sur son manteau. Mais pour le reste, y a rien qui m'inspire plus qu'autre chose. Pas évident cette énigme. Tu chantes encore là. Est-ce que je peux aller à côté pour voir des indices supplémentaires ou autre chose à faire qui pourrait me donner des idées. Ah oui, on n'est pas assez fort. Bonjour, petite chèvre, lapin, je ne sais pas trop quoi. Je vais te reposer là. Je pense qu'il faut que je te pose là, mais pour ça, il faut que je débloque. Oui, toi, probablement, il faut que je te pose là. On peut pas parler à lui. On a besoin de Tau. Bah oui, pour oui, Cubus ne parle pas, effectivement. Enfin, de la fille. Elle s'appelle pas Tau, elle s'appelle la fille. Excuse-moi, mais pourrais-tu m'aider à descendre, s'il te plaît? Rien ne me ferait plus plaisir, mais je n'ai pas de manivelle. Ok, donc c'est bien ça. C'est il faut qu'on chope la manivelle de l'autre côté.
Et pour choper la manivelle de l'autre côté, eh bien, il faut réussir à apaiser notre ami le mammouth. Donc il va effectivement falloir résoudre cette énigme, parce que comme on le voit, on n'arrive pas à grimper dessus. Donc, j'imagine que... Non, bah, de toute façon, Cubus, il peut pas grimper. Donc voilà. Donc il faut résoudre cette énigme-là avec ces 5 personnages qui chantent. Ça m'arrange pas parce que... Il ressemblait un peu. Donc, j'aurais cru avoir un indice, mais pas du tout. Et je peux interagir avec rien d'autre. Donc il va falloir réfléchir un peu. Sachant que ça m'inspire pas et que la seule chose que j'ai là, ce sont ces petites boules. Alors elle bouge pas dans le même rythme, est-ce que ça expliquerait? On a bien vu, les activer tous, ça sert à rien. Si je les active tous, sauf un. Je pense qu'on a la même problématique. Ça ne marche pas non plus. Mais lui, j'ai remarqué, il faut plusieurs fois pour cliquer dessus. Et il se met pas dans le même rythme. Il a l'air d'avoir 3 rythmes différents, ce qui va être encore moins, hein, on va être honnête. Oui, et du coup, en étant ici, on peut absolument rien faire. Et la seule chose que j'ai, c'est une torche qui me sert à peu près à rien. Mais encore. On va les éteindre. J'allumerai bien celui-là à cause de son motif, comme je l'ai dit tout à l'heure. Elle, à cause de ses boutons qui me font penser à la boule qui est là. Et il me resterait lui. Mais je trouve pas du tout sur quel rythme. Donc il y a probablement autre chose. Mais je pense qu'on verra ça lors du prochain épisode. Et qu'on... Tu seras peut-être un indice parce que je vous avoue que c'est pas évident là tout de suite maintenant de savoir ce qu'il faut faire avec eux. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous vous amusez autant que moi à essayer de trouver les réponses aux énigmes qui ne sont pas toujours très évidentes.
Je vous dis à très bientôt pour la suite, et bye bye!